Salut-nous qui le monde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut chacun de nous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur a de sa lumière comme Seigneur pour le chemin. Le pasteur a de sa lumière. Je veux que vous êtes capable au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous tenir. Nous allons lire dans le psaume 49. Écoutez ceci, vous tous peuples. Si qui est dit, il est mort. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde. Petit et grand, riche et pauvre, moutouillote à la page du chiquet. Même si tu es pauvre, on n'a pas chez Pouchiki. Tu dois écouter. Ma bouche va faire entendre des paroles sages. Kinywa yangu itasikiliza maneno ya hekima. Sagesse yote iko ndani ya Mungu. Et toute sagesse se trouve en Dieu. Wakati Mungu kunatangaza masauti ya hekima. Quand Dieu proclame les paroles de la sagesse. Inapashwa kuishikia na kutembea ndani yake. Vous devez les écouter et marcher et y marcher. Et mon cœur a des pensées pleines de sens. Na moyo wangu iko na mafikiri inajaza mafikiri. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de l'harpe. Na niku nafungula mwimbo yangu ku makelele ya parapanga. Pourquoi craindrai-je au jour du malheur? Jua nini taogopa siku ya ole? Lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe. Wakati uovu ya wadu yangu inanifunika. Ils ont confiance en leur bien. Wanatumainia mali yao. Et se confient de leur grande richesse. Na beko najitukuza juu ya mali yao makubwa. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Lakini abawezi kujikomboa moja kwa mwingine. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Ama kumulipa Mungu bei ya ukombozi. Le rachat de leur âme est cher. Kwani ukombozi ya manafsi yao ni ya bei kabisa. Et n'aura jamais lieu. Na haiwezi kufanika kamwe. Ils ne vivront pas toujours. Abawezi kuishi kwa milele. Ils n'éviteront pas la vie de la fosse. Abezi kuepuka kuona kwa simu. Car ils la verront. Kwani bataona hakika. Les sages mères. Wa hekima wanakufa. Les insensés. Watu wapumbavu. Et stupides périssent également. Na kukosa kiri beko natangua vile vile. Ils laissent à d'autres leur bien. Na kamata mali yao beko natia bengine. Unawezi kuwa na mali mingi. Tu peux avoir beaucoup de bien. Ushiweka mkonfiance. Il ne faut pas y mettre ta confiance. Yo mtu mwingine ndio ataikula. Parce que c'est une autre personne qui va le manger. Hapo uchingariki na bushima. Pendant que tu as ndani ya Yesu Kristo. En Jesus Christ. Jote Mungu yako nakupatia. Dieu te donne tout. Ubikula kabisa. Na tu dois le manger comme il se faut. Il continue en disant, c'est pourquoi ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. Atatu na jenga ma maison durable. Même si nous construisons un matériau durable. A une éternelle. Hein, ce ne sont pas des maisons éternelles. Que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Et dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes qu'on les gorge. Anafananisha na wale wanyama yuko wanachinja. Namna vile kuna chinja nyama. De la même manière qu'on égorge les bêtes. Ni namna unaweza kufa sa nyama. C'est de la même que tu peux mourir comme ça. Kama unajua kile Yesu alifanya. Mais si tu connaissais que Jésus. Maisha yako yote itachanger. Ta vie complètement va changer. Telle est leur voix, leur folie. Njoo manjia yabo na mazimu yao. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours.